Salut. Je sais pas si tout le monde avait reçu la liste de matériel pour la séance. Je vais la redonner, j'attends juste que tout le monde se connecte. Je sais pas combien on devait être. J'ai une douzaine de réponses à peu près. Salut Louisiane. Donc vous avez besoin de, pour la séance là, c'est pas beaucoup de matériel parce qu'on a besoin juste de trois paires de chaussettes, un manche à balai pour ceux qui ont quelques douleurs. Moi aussi je t'aime Brian. Un manche à balai pour ceux qui ont quelques douleurs encore au niveau du genou pour faciliter un peu les exercices. Et puis une chaise ou un tabouret comme j'ai mis au fond là-bas pour des exercices de pistole qu'on va faire pendant la séance. Donc ça va se dérouler, on va faire 4 tours de 4 exercices. Non, c'est pas prévu la bière, Gwen. Ok, on est 7, il y en a 2 sur YouTube. Ça fait 9. On va encore entendre un petit peu, je vais commencer à expliquer. Juste aller mettre mes baskets, j'ai oublié. Ok, allez, on est parti. Donc là, le programme de renfo, ça va être un travail de renfo pour membre inférieur principalement. Donc 4 exercices à faire. Je sais pas si on voit en entier. Ouais. 4 exercices à faire donc en enchaînement. À chaque fois, je vous donnerai la progression à faire sur les différents exercices pour que tous les niveaux soient faisables pour chacun. On va commencer, vous avez besoin des paires de chaussettes, là, trois paires de chaussettes pour le premier exercice. Ça va être un exercice de fente multidirectionnelle à faire en stabilité sur une jambe puis sur l'autre. Donc je vous montre. Donc trois paires de chaussettes que je pose la première devant moi, la seconde légèrement à l'arrière à ma droite et la troisième légèrement à l'arrière à ma gauche. Je laisse le temps juste de récupérer si vous n'avez pas les choses. Le premier exercice, ça va être je vais me mettre en équilibre sur une jambe, sur cette jambe que je mets légèrement fléchie, donc la jambe gauche légèrement fléchie. Et l'exercice, un tour, enfin un tour d'exercice, ça va être ça. Ça va être avec la jambe qui est en l'air, je viens mettre le pied sur la chaussette qui est devant, je viens l'écarter le plus loin possible devant, je la fais glisser, je reviens. Avec la même jambe, je viens toucher celle qui est à l'arrière à droite. L'écarter le plus loin possible en fente et je reviens. Et avec la même jambe, je viens croiser derrière ma jambe qui est en appui. Je viens me mettre sur la chaussette et je viens l'écarter le plus loin possible en croisant. Donc, ça, c'est le niveau intermédiaire pour l'exercice. Je peux m'aider si j'ai besoin ou si j'ai encore des douleurs avec un petit manche à balai. Je viens me mettre en appui dessus et je viens faire le même exercice. Donc ça sera juste pour se stabiliser, pas avoir de douleur et pas avoir d'instabilité sur le genou. Donc si vous avez besoin du manche à balai, bah vous utilisez un manche à balai. Donc ça c'est l'exercice, il se décompose en trois parties. On va écarter les trois chaussettes dans les trois directions. Ensuite, deuxième tour, je viens juste toucher de la pointe du pied les trois chaussettes dans les trois directions. Et troisième temps, je vais venir ramener les chaussettes à la position de départ. Voilà. Et ça, je vais l'effectuer donc avec ou sans bâton en fonction de la difficulté. Et je peux écarter plus ou moins loin la chaussette en fonction de mes capacités. Donc, je vais venir écarter la chaussette de devant, celle de derrière à droite, je l'écarte, celle de derrière à gauche, je l'écarte. Je reviens, cette fois-ci, deuxième tour, je touche seulement devant, à droite derrière, à gauche derrière. Troisième tour, je ramène là, ici et là. Une fois qu'on a fait ça, on change de jambe et on fait la même chose avec l'autre jambe. Juste regarder que tout le monde a.
Compris. Si vous avez des questions, vous demandez sur le chat, je regarderai de temps en temps. Donc on est reparti, premier exercice. Là, je change la jambe maintenant. Jambe légèrement fléchie, j'essaie de garder mon alignement. Pied, genou, hanche. Je prends la chaussette de devant, je la fais glisser le plus loin possible. Je reviens, extérieur à gauche. Je descends, je l'écarte le plus possible, je reviens. Extérieur à droite. Deuxième tour, je touche. Et troisième touche. Troisième tour, je ramène. Ok. Ça va pour tout le monde sur ce premier exercice. Salut Max. Donc là, premier exercice, on va prendre 30 secondes de récupération et on va passer sur le deuxième. Deuxième exercice, on va travailler avec les chaises que j'ai mis derrière. Donc il y aura plusieurs niveaux de difficulté comme sur le premier. Soit on fera des squats à deux jambes, soit on fera pistolet à une jambe. Et on mettra plus ou moins de difficulté en choisissant la hauteur. Là, j'ai choisi le petit pouf là qui est bien bas. Ça sera plus dur que la chaise qui est juste à côté, qui est un peu plus haute. Donc vous prenez à peu près. Pour le niveau moyen, il faut que l'assise soit à peu près à la hauteur de votre genou. Là, vous voyez cette chaise-là, hauteur de genou. Ça, c'est le niveau moyen. Si l'assise que vous choisissez est en dessous du genou, ça, c'est un niveau un peu plus difficile. Et donc, on va partir, là, je vais juste rapprocher un peu les chaises. On va partir sur soi. Niveau 1, 10 répétitions, je viens m'asseoir. Toucher la chaise avec la fesse et remonter. Soit niveau 2, je fais pareil à deux jambes, mais en étant plus bas, ici, et je remonte. Soit niveau 3, sur la chaise plus haute, à une seule jambe, je viens m'asseoir et remonter. Ou niveau 4, sur la chaise, enfin le pouf est pour moi plus bas, à une seule jambe, je viens m'asseoir et remonter. D'accord, donc 4 niveaux de difficultés différents pour l'exercice numéro 2. Et on fait 10 répétitions, jambe droite, jambe gauche si on est à une jambe. 20 répétitions à deux jambes si on est sur deux jambes. Donc là, je vais le faire en niveau 3, en gros, à une seule jambe sur la chaise un peu plus haute. Donc 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche. Là, j'essaie de garder sur les répétitions mon alignement. Cheville, genou, hanche. Je descends en me penchant légèrement vers l'avant. Et pareil, quand je remonte, je me penche un petit peu vers l'avant pour pouvoir faire la montée. Désolé, je suis encore un peu essoufflé. Voilà. Une fois que j'ai fait 10 répétitions sur la jambe droite, je vais en faire 10 sur la jambe gauche. De la même façon. L'autre jambe, vous la gardez tendue devant et vous essayez de pas lâcher la descente, vous la contrôlez jusqu'à ce que votre fesse elle touche la chaise. Donc voilà pour le deuxième exercice. On reviendra dessus ensuite dans les tours d'après. Troisième exercice. Vous allez garder votre chaise là. Et on va travailler sur des montées sur pointe de pied. Donc là, vraiment très classique. Tu gardes genou tendu des deux côtés. Pareil, plusieurs niveaux de difficulté. Soit vous me faites 10 répétitions à deux jambes, je monte sur les pointes de pied. Soit 20 répétitions à deux jambes pour le niveau 2. En niveau 3, on passe sur une seule jambe, 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche. Et en niveau 4, une seule jambe, 20 répétitions à gauche, 20 répétitions à droite. Donc là, par exemple, pour niveau 2, je vais faire 20 répétitions, monter sur pointe de pied. J'essaie de garder bien les genoux tendus. Je monte le plus haut possible. Et je vais me faire 20 mouvements en essayant d'aller chercher jusque sur les orteils, tout en haut. Si je suis en niveau 3, je fais pareil. En 10 répétitions seulement,
que sur une seule jambe à gauche, puis que sur une seule jambe à droite. Donc ça, c'est pour le troisième exercice du tour. Je suis venu vous montrer le premier tour. Et ensuite, on passera sur les trois tours suivants en enchaînement, où je réexpliquerai juste très, très brièvement quand on passe d'un exercice à l'autre et on essaie de les enchaîner. Okay? Alors, le quatrième exercice, c'est un petit exercice de saut que je vais appeler en T. Donc, je vais juste vous rapprocher pour vous montrer comment j'ai installé. Donc, en gros, j'ai posé, je ne sais pas si on voit bien, les chaussettes au sol, là, en triangle. Là, comme ça, voilà. Et ça va être juste un petit exercice de saut et de proprioception sur ce petit triangle. Donc je positionne mes chaussettes en triangle là, je me mets au niveau de la base du triangle, je me mets soit à deux pieds, soit à un seul pied. Donc à deux pieds pour le niveau 1, un seul pied pour le niveau 2. Et je vais me faire saut à deux pieds vers l'avant, je reviens vers l'arrière à la position de départ. Saut sur la droite à deux pieds, je reviens au milieu. Saut vers la gauche et je reviens au milieu. Et je fais essentiellement 3 sauts, 5 fois dans chaque direction. Si je suis en niveau 2, je fais pareil mais sur des cloches-pieds. Avant, retour, arrière, retour, à gauche, retour. Change de jambe, avant, retour, à droite, retour, à gauche, retour. Et je fais 5 fois sur chaque jambe. Donc là, je vous montre en niveau 1, ça donne 1. Voilà pour un tour complet. Avant, retour, droite, retour, gauche, retour. En niveau 2, sur une seule jambe, je fais avant, retour, à droite, retour, à gauche, retour, change de jambe et je fais la même chose. Avant, retour, à gauche, retour, de l'autre côté et le retour. Ok, pour le quatrième exercice, ça donc on fera à deux jambes 10 fois avant, arrière, gauche, droite avec une pause au bout de 5 fois et on reprend. Et à une jambe on fait 5 fois à droite, 5 fois à gauche, enfin 5 fois la jambe droite, 5 fois la jambe gauche. Ok, pour tout le monde, est-ce que vous avez des questions là par rapport aux 4 exercices? Donc premier exercice, je répète, on fait les fentes multidirectionnelles avec du coup les chaussettes qu'on déplace. On vient avancer la chaussette avant, reculer à l'extérieur à droite, chaussette de droite, pareil pour la gauche. Deuxième tour, on touche les trois chaussettes. Troisième tour, on les ramène. Et on fait ça du coup 3 fois par jambe. Allez, on est parti pour le premier exercice. Donc je commence jambe gauche, genou légèrement fléchi ici, je viens avancer la chaussette avant, je reviens en position, je recule celle de droite, je reviens en position, je recule celle de gauche, je reviens en position, je vais toucher celle de devant, celle de derrière, celle de gauche, et je vais ramener la chaussette de devant, ramener la chaussette de droite, ramener la chaussette de gauche. Change de jambe et je fais la même chose. Je rappelle pour ceux qui n'y arrivent pas, vous venez de tenir avec un balai pour vous stabiliser. Il y a des questions? Ouais, le dernier exo, Alex, c'est quand tu es à une jambe, c'est 5 fois devant avec la jambe droite, 5 fois, enfin, devant, à droite, à gauche avec la jambe droite 5 fois, devant, à droite, à gauche avec la jambe gauche 5 fois. Donc je rappelle, pour le premier exercice, je vais le faire sur l'autre jambe avec le bâton. Je suis en appui sur la jambe droite, je me stabilise un peu avec le bâton si j'arrive pas à faire sans. Je viens avancer le plus loin possible. Quand j'avance, mon genou il se fléchit pour aller chercher la distance. J'écarte ici, je croise avec ma jambe derrière, j'écarte là-bas,
Je reviens en position, deuxième tour, je touche seulement. Là. Là. Et là. Troisième tour, je rapproche. Là. Là. Et là. Ok, je rechange de jambe. J'écarte. J'écarte. Et j'écarte. Je vais faire trois passages par jambe. Je touche. Je touche. Je touche. Je rapproche. Je rapproche. Et je rapproche. Je rechange. J'avance. J'avance. Là. Je touche. Je touche. Je touche. Je rapproche. Je rapproche. Et je rapproche. Et j'écarte. Je touche. Je touche. Jambe gauche. Dernier sur la jambe droite. Ça va toujours, il y a des questions? Quand tu vas chercher devant, il peut décoller un peu le talon, Alex. Juste sur le devant. Sur ce derrière et côté, il doit rester bien à plat. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, pour le programme, vous avez besoin de trois paires de chaussettes, une chaise et un bâton si vous avez des difficultés. Normalement, vous pouvez tout faire avec ça. Donc, dernier passage. J'éloigne devant, j'éloigne sur le côté, j'éloigne de l'autre côté, touche, et ensuite je ramène, et je ramène. Ok, on repasse sur le deuxième exercice, donc c'est des sit-ups, soit 20 sit-ups à deux jambes, en pistole quoi, jambe droite, puis 10 sit-ups à gauche, en pistole. On est parti. Donc ici, je me mets sur une seule jambe, je me stabilise, je viens m'asseoir et je me penche vers l'avant légèrement pour remonter. Là, et je remonte. Là, et je remonte. On en fait 10 d'affilée sur la même jambe et ensuite 10 d'affilée sur l'autre. On essaie de se pencher le moins possible sur le côté pour se stabiliser si on a une seule jambe. Si on est à deux jambes, vous essayez de garder le pied écarté à peu près largeur d'épaule. Pas en squat très écarté comme ça, mais plutôt jambe largeur d'épaule. Ici. D'accord? Donc on finit 10 de chaque côté. Pour une jambe, 20 d'affilée à deux jambes. Pour ceux qui le font à deux jambes. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. S'il n'y a que Alex qui pose des questions là. Si j'en ai loupé. Ok. Troisième exercice. C'est quoi le troisième exercice? Allez, montez sur pointe de pied. Yep. Donc je repars là, monter sur pointe de pied. Je vais en faire 10 sur ma jambe gauche, puis 10 sur ma jambe droite. J'essaie de bien être mon poids dans mon pied d'appui et pas me pencher vers l'avant quand je vais monter sur la pointe du pied. J'ai vraiment un mouvement de haut en bas et pas d'avant en arrière. Donc là, je suis bien vertical et je vais vers le plafond et je redescends. J'en fais 10 et j'essaie de chercher l'appui jusque dans les orteils. Je ne m'arrête pas au milieu de mon pied, je cherche jusque dans les orteils et je fais 10 montées. Sur une jambe, 10 montées de genoux bien tendus, le quadri, c'est de le contracter pour bien verrouiller, 10 montées sur l'autre jambe. Ok. T'anticipes l'exo suivant. Ok, donc dernier exercice de la rotation pour terminer. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, les petits sauts
en triangle. Donc je répète, je pose une chaussette devant, une chaussette à ma droite, une à ma gauche. Et je viens travailler soit à deux jambes, je viens faire 10 rotations complètes, soit à une jambe, 5 sur la gauche, 5 sur la droite. Donc là, je vais le refaire à une jambe. Je pars devant, je reviens. À gauche, je reviens. À droite, je reviens. Je change de jambe. Et je vais faire ça 5 fois sur chaque jambe. Devant, je reviens. À droite, je reviens. À gauche, je reviens. Je change de jambe. À deux jambes, ça donnait ça. Devant, je reviens. À droite, je reviens. À gauche, je reviens. Et je le fais 10 fois. Ok, je vais récupérer un petit peu en même temps que vous finissez le tour. Si vous avez des questions. Alors, si t'as un autre, si t'as peur de faire des sauts, tu peux les faire comme ça. En petit skipping, tu me fais ça. Ok. Tu me fais ça comme ça et tu peux essayer d'éloigner un petit peu tes appuis. Si tu vas chercher un peu plus loin devant, un peu plus loin à gauche, un peu plus loin à droite, ça peut augmenter un peu la difficulté et essayer de garder du rythme dessus. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Aja, ça va ? Il y a Hélène aussi. Robinson, si tu veux faire les exos, tu vas tranquille. Là, on va prendre une minute de récup, parce que j'arrive plus à parler. Et puis, on repart sur un tour. Donc, je répète, hein, pour ceux qui sont arrivés en retard, 4 exercices. À chaque fois, on fera entre 10 et 20 répétitions de chaque exercice. Si on n'arrive pas à le mettre à une seule jambe, à deux jambes généralement, je vais faire 20 répétitions. Donc le premier exercice, un exercice de proprio avec une fente multidirectionnelle. Ouais, ça va, Anas. Je suis un peu essoufflé. Je crois que le Covid m'a eu un peu ma condition physique là. Donc l'exercice multidirectionnel, on vient se mettre, donc on appuie sur une jambe et on vient écarter les chaussettes dans 3 directions différentes. Un tour suivant, on vient toucher juste les chaussettes et le troisième tour, on vient les ramener. Et on fait pareil sur la jambe gauche, puis sur la jambe droite. Allez, encore 30 secondes de récup, et on repart pour un troisième tour. Ça se voit pas, je suis en sueur terrible. Ok, allez, troisième tour. Donc, je me mets au centre avec les 3 chaussettes là, et je viens travailler sur des fentes. Une fente devant là, je fléchis le genou qui est en appui, je me mets un peu sur la pointe du pied, j'éloigne devant, je reviens. Là, j'emmène la chaussette qui est à gauche vers l'arrière et la gauche, en descendant bien sur ma jambe d'appui. Je reviens et je viens croiser pour la dernière et je vais l'éloigner là-bas. Je reviens. Deuxième tour, je viens toucher les 3 chaussettes, donc je touche devant, je touche à gauche, je touche à droite, je reviens et troisième tour, je les ramène. Là. Là et là, celui-là je l'ai pas trop mal fait. Allez, encore, quand je pars en appui sur la jambe gauche maintenant et j'écarte devant, j'écarte la droite en allant vers l'arrière et la gauche en allant vers l'arrière. Deuxième tour, je touche. Hop là. Et troisième tour, je ramène. Je sais pas si je cadre bien, si vous voyez bien la vidéo ou pas. Ok, je rechange de jambe et on le fait 3 fois sur chaque jambe. Vous n'êtes pas obligé d'éloigner hyper loin, vous faites en fonction de vos capacités au niveau de l'éloignement parce que si vous n'arrivez pas à les ramener après, c'est compliqué. Excusez-moi, deuxième, je touche. Et troisième, je ramène. Change de jambe, deuxième fois sur la jambe gauche,
Et je ramène. On écarte. On écarte. On écarte. On touche. On touche. On touche. On est sur le troisième tour, jambe droite. On ramène. On ramène. On ramène. Change de jambe. Dernière. Sur cet exercice-là, on avance. On écarte vers la droite. On écarte vers la gauche en croisant derrière. Je touche. Je touche. Et je touche. Je ramène. Je ramène. Et je ramène. Ok, pour cet exercice-là, on repasse sur les sit-ups à deux jambes ou à une jambe. Coucou Valentine. Tout va bien là pour les exos? Il n'y en a pas qui ont des problèmes ou des douleurs? Il est beau ce polo. Je vous rappelle une dernière fois pour ceux qui viennent d'arriver, c'est celui que je vais faire maintenant. Donc c'est du sit-up à deux jambes ou à une jambe. Le troisième, c'est de la montée sur pointe de pied. Et le quatrième, c'est des petits sauts ou des petits déplacements en fonction de vos capacités. Allez, go. Pour le deuxième, hein, on choisit toujours la hauteur de la chaise en fonction de ce qu'on arrive à faire. Là, je vais le montrer du coup à deux jambes, parce que je l'ai montré à une jambe jusqu'à maintenant. Mais je vais le montrer un peu plus bas. Donc là, j'ai pris un petit pouf qui m'arrive en dessous le genou pour vraiment avoir à travailler ma flexion de genou bien basse. Mes pieds à peu près à largeur d'épaule, bien parallèles. Je viens descendre en m'asseyant, je me penche un petit peu vers l'avant, je touche et je remonte tout de suite. Quand je remonte, je mets mes bras légèrement vers l'avant pour charger mon poids du corps vers la pointe des pieds. À deux jambes, je fais 20 mouvements. Ceux pour qui c'est facile, celui-là, vous pouvez le faire soit un peu plus haut à une seule jambe, soit même à ce type d'assise à une seule jambe. Ok. 20 répétitions à deux jambes ou 10-10 sur une jambe. Et là, c'est pareil sur le troisième exercice. Je vais faire 20 à deux jambes. 20 répétitions, je fais bien du mouvement haut-bas en montant sur pointe de pied le plus haut possible. Voilà, et je redescends. Essayez d'avoir la sensation que vous allez chercher vraiment sur la pointe du pied le plus haut possible et que vous n'avez pas de mouvement avant-arrière, mais vraiment un mouvement haut-bas. Des questions? Impressionnant. Ah ouais, là je suis à 190 Nico, je pense. Je suis déconditionné complet. Merci le Corona. Ok, vous terminez les pointes de pied. Donc, je répète, en niveau 1 à 2 pieds, entre 10 et 20 répétitions. Niveau 2 à un seul pied. Genou bien tendu, je monte entre 10 et 20 fois pareil. Je vous laisse le temps de finir. Là on est en train de finir le troisième tour. Il y aura juste mon dernier tour pour la séance d'aujourd'hui. Je pose, repose de mes petites chaussettes en triangle. Et on vient soit à peu près la tête. Soit deux jambes, 10 enchaînements avant, droite, gauche. Soit une jambe, 5 enchaînements, jambe gauche et jambe droite. Avant, droite, gauche ou avant, gauche, droite, suivant sur quelle jambe vous êtes. Là, je vais le faire juste à deux jambes. Et puis pour ceux qui n'arrivent pas à sauter pour l'instant, en déplacement comme ça, jambes alternées. Vous avancez droite puis gauche, 5 fois. Pareil à droite, pareil à gauche. Et ensuite, vous faites les 5 suivantes en faisant gauche puis droite. Pour travailler sur les deux jambes. D'accord? Donc là, par exemple, ça. Puis ensuite, vous faites jambe gauche devant. Niveau, ça c'est le niveau le plus facile. En niveau 2, c'est saut à deux jambes.
Et en niveau 3, c'est à une jambe. Ok. Donc là, je finis, je vais faire encore 8 tours, du coup, à deux jambes. Je sais pas si je vais un peu trop vite pour vous ou pas. Ok. On va prendre 2 minutes de récup avant de repartir. Ok, on fera le dernier tour. Donc toujours les 4 exercices. Essayez si c'était facile pour vous la façon dont vous l'avez fait avant. De passer un palier sur les exercices. Et si vous avez des douleurs, ah oui, j'ai oublié de remontrer pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à utiliser, notamment sur le premier exercice, pour vous stabiliser un petit balai là, sur l'exercice où je viens de placer les chaussettes avec le pied, je vous stabilise avec un manche à balai. Encore 1 minute et on part sur le dernier tour. Pas de douleur là pour ceux qui sont blessés et qui font le programme. N'hésitez pas à me dire. J'essaierai de vous modifier un peu les exercices. C'est qui mon Kédou? Allez, on part pour le dernier tour. Premier exercice sur les fentes multidirectionnelles. Les 3 chaussettes en triangle autour du pied gauche. Je commence avec le pied droit. J'écarte en passant sur la pointe du pied. Là, j'écarte en allant vers l'arrière. Et j'écarte en croisant vers l'arrière aussi. Je reviens, deuxième tour en restant sur la jambe gauche. Je touche les 3 chaussettes sans les bouger. Là. Troisième tour, toujours sur la jambe gauche, je viens ramener les chaussettes. Change de jambe, même chose sur l'autre côté. Donc je rappelle, pour ceux qui ont un peu de mal là sur l'équilibre. Ouais, bien sûr Alex, sur l'exo 4, tu peux faire tout sur l'avant de pied. Ouais, ouais, faut prévoir un verre d'eau, enfin moi j'explose complet. J'ai peut-être le fait de parler en même temps, ou alors je me charge d'excuses, mais j'ai chaud. Ok. On prend appui, donc pour ceux qui ont un peu de mal sur le premier exercice là, on peut prendre appui sur un bâton pour aller chercher. Donc j'ai déjà fait la jambe gauche, faire la jambe droite. Là, la jambe droite en appui. Les 3 directions. Deuxième tour, toujours jambe droite, je touche. Troisième tour, je ramène. Je change de jambe, jambe gauche, devant, côté, hip, et côté, je touche, et je ramène. On rechange, j'éloigne, j'éloigne. J'éloigne, je touche, je touche, je touche, et je ramène. On repart, on enchaîne sur l'autre jambe. Il y a des questions. C'est Bruno. Salut Bruno. T'as continué à courir? Pioche Gauthier. Ah, Gauthier, t'as tout loupé là.
Il y aura la vidéo de toute façon sur YouTube. Vous pourrez refaire le programme en entier. Tout sera enregistré sur la chaîne YouTube. Ok, je pense que vous avez fini là sur le deuxième tour. On fait le troisième. Devant. À gauche. Et on croise vers droite. Je touche. Je touche. Je touche. Et je ramène. Je ramène. Je ramène. Ok, dernière sur la jambe gauche. J'emmène devant. Vers la droite. Vers la gauche. Je touche. Je touche. Je touche. Et je ramène. Je rappelle, pour ceux qui ont un peu de mal ou qui ont été opérés il n'y a pas très longtemps, vous n'êtes pas obligé d'emmener très loin les chaussettes. Vous les mettez à une petite distance, là, comme ça, par exemple, ça peut suffire. Là, là, là. Je touche dans les trois directions et je ramène. Et au fur et à mesure, vous progressez sur l'éloignement des chaussettes. Alors, passe sur le deuxième exercice. À peu près pour la course. Ok. Allez, troisième exercice, on reprend les squats. Enfin, les sit-ups plutôt. Soit à deux jambes, là, comme j'ai dit depuis le début, il y a quatre niveaux différents. À deux jambes, chaise haute, ou à deux jambes, chaise très basse. Et ensuite, à une seule jambe, chaise haute, en faisant 10 à droite, 10 à gauche. Ou à une seule jambe, chaise basse, pour ceux qui sont vraiment à l'aise sur les mouvements. Donc là, je reprends sur les deux jambes, chaise haute. Ça, c'est le niveau le plus facile. Je peux en faire 20, du coup, à deux jambes, sur chaise haute. Ou alors 10 sur chaque jambe. Enchaîne jambe droite tout de suite. Troisième exercice, un peu plus facile celui-là. C'est les pointes de pied, donc je prends appui sur le dossier. Soit avoir répétition à deux jambes, soit tirer répétition jambe droite, tirer répétition jambe gauche. Je garde bien le genou tendu et je cherche à viser le plafond et à pas avancer du tout le tronc. Ok, on termine quatrième exercice pour le dernier tour. Les petits sauts, là, je vais faire tout ça deux jambes. Du coup, j'en fais 10. Avant, droite, gauche. Je fais 10 fois le petit tour là comme ça. C'est parti. On fait 1. Et 10. Ok. C'est bon pour ce programme. N'hésitez pas. Merci Baptiste. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si j'ai parlé trop vite. Ou si je l'ai fait trop rapidement. Ou si vous avez manqué d'explications. Vu que c'est la première fois que je faisais. Je suis preneur de retour.
Et si vous préférez des vidéos comme ça, ou plutôt des vidéos comme d'habitude là, sur la chaîne. Bon bah, bonne fin de journée à tous. Et puis, à bientôt. Ciao. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions, je reste encore le temps de récupérer. Si vous avez des questions, je peux rester encore 2 minutes. Je vais couper juste la vidéo YouTube.